Hey, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est retour pour une nouvelle vidéo de plongée à la rivière Dominique de Port-Cartier. Si jamais vous avez manqué la dernière vidéo que j'ai faite dans ce spot-là, je vous invite à aller la voir, je vais la mettre en haut de l'écran maintenant. Super beau, mais super chaud, on va en profiter au maximum parce que demain et après-demain, il annonce de la pluie. J'ai l'impression d'avoir déjà eu ce discours-là dans une autre vidéo avant, mais sérieusement, la météo est vraiment fuckée ici là, au Québec depuis à peu près, depuis le début de la semaine. Mais normalement, il est censé annoncer un désastre demain après-demain. Mais on va regarder, peut-être que je vais quand même plonger, on va voir. La dernière fois que je suis venu plonger ici, j'ai trouvé une bouteille de dry gin avec deux bouteilles également de Pepsi. Bouteille des années 80 et le dry gin peut-être des années 40-50. Là, je suis encore en train d'étudier ça. Fait qu'aujourd'hui, on va encore se souhaiter de trouver d'autres bouteilles de collection à l'intérieur de la rivière. Sinon, on va essayer de trouver des leurres, mais ça, man, les leurres, c'est vraiment difficile dans cette rivière-ci en ce début d'année. Alors on va focusser peut-être pour un autre endroit pour les leurres, mais pour le moment, on va juste essayer d'avoir du plaisir puis de faire des belles bulles. Ça, on part pas une seconde de plus, guys, si on s'en va dans l'eau.
En sortant que je trouve pas un basic, man. J'ai dit que je m'en allais pas. T'en sortant que je trouvais pas un basic. There you go. Nani? T'exagères! Tu fais là? Ah ouais, mais ça! Qu'est-ce que tu fais là? Si tu vas mettre un saut! Putain! Qu'est-ce que tu fais? Des tours autour de moi! Comme un requin! Qu'est-ce que tu fais? Putain! Oh, c'est-tu qui est bon? Un castor! Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en!
Oh, Ouais, gars, je viens de sortir de l'eau. On a été chanceux aujourd'hui pour ce qui est des lards. Je pense que ça a été mon meilleur total aujourd'hui. Je l'ai fait afficher en bas de l'écran, mais je vais rajouter je vais rajouter le nombre total auquel on est rendu parce qu'en fait, on en a ramassé depuis le début de l'année. Mais toujours, rappelez que j'avais dit que si on atteint les 100 lards d'ici la fin de l'été, je vais faire un giveaway d'une carte cadeau Amazon. Donc, on est quand même bien parti. Ma troll préférée que j'ai trouvée aujourd'hui, mon banger, ça n'a pas le choix, c'est vraiment celui-ci. C'est la plus belle troll que j'ai trouvée. Les autres ont quand même ordinaire. Là. J'ai deux bouteilles que j'aime beaucoup. La verte là, malheureusement, il n'y a aucune écriture dessus qui me dit c'est quoi. Celle-là, c'est marqué bar pure spring, là, grand format, je ne sais pas non plus c'est quoi. Ça a l'air d'être une vieille bouteille, un beau motif, celle-là aussi. Je pense qu'on va faire partie de ma collection. Puis ma bouteille préférée, c'est définitivement cette Coca-Cola là. C'est la première fois que je trouve une Coca-Cola. J'ai trouvé des Pepsi, mais celle-là est vraiment cool et c'est la première que je trouve. Je ne sais pas de quelle date, quelle année elle est. Mais c'est vraiment cool de trouver enfin une bouteille de Coca-Cola. Même ma trouvaille préférée, ça n'a pas le choix, c'est vraiment ce pétic horrible là que j'ai sorti de l'eau. Je vais pas le mettre dans mon Jeep tout de suite, là, mais probablement que je vais aller le porter au phare bientôt. Je vais le mettre sur le bord. Si jamais quelqu'un décide de le ramasser pour aller le porter, ce sera encore mieux parce que j'ai un Jeep. Quelqu'un qui a un pick-up, ce serait vraiment cool. Mais bon, c'est vraiment cool là, d'avoir pu être capable de sortir ça de l'eau, guys. Fait que ça va rendre pas mal la vidéo. Si jamais t'as trouvé que ça faisait bien du sens et que t'as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager à tes amis. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Nous, on s'en va bientôt pour une autre vidéo de plongée. Peace out, guys.